Allez, salut à tous, on se retrouve bien sûr pour un match of the days entre Lyon et Bordeaux. Et voici donc d'abord les informations du côté de l'Olympique Lyonnais. On va commencer déjà avec le constat assez difficile de l'Olympique Lyonnais, nouvelle défaite, 5 buts à 1, quand même très lourde défaite contre Montpellier, 5 buts à 1. Les Lyonnais pointent à la 14e place du championnat, une victoire en 11 matchs. Rémy Garde a été conforté, même si le coach lyonnais sent vraiment que ses joueurs ont énormément de difficultés. Ont-ils lâché l'entraîneur? C'est fameux, cette grande phrase-là. Ont-ils lâché l'entraîneur? Eh bien, c'est une grande question, 1 million de dollars. En tout cas, nous avons eu des interviews, puisque Trevor Townsend oblige, on s'est plus inquiété, on s'est plus préoccupé de l'équipe de France. Mais c'est vrai que du côté de Lyon, on a eu Benzia qui a parlé un petit peu, qui a dit que, eh bien, la dynamique avait un petit peu été cassée, qu'il avait eu des propos qui avaient été disproportionnés, mais que l'entraîneur et les joueurs, il y avait un problème entre la jeune génération et l'ancienne génération. Et notamment, on a également parlé d'un joueur qui fait des bonnes pics de forme et qui malheureusement se blesse à chaque fois, c'est Johan Gourcuff. Vous avez Johan Gourcuff. Alors, du côté de la direction, vous avez, on va dire, l'entraîneur et on va dire le conseiller du président qui, on va dire, dit très clairement, il est toujours blessé, il fait des blessures en série, il n'arrive pas vraiment à mettre un pied devant l'autre. Tant qu'il est blessé, comment peut nous faire gagner un championnat? Et malheureusement, ça passe pas. Et du côté de Jean-Michel Aulas, ça continue. Ouais, il y a encore de l'espoir, c'est un grand joueur, on peut pas virer Johan comme ça, il nous a bien dépanné quelques fois. On a vu que. Et le problème, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Gourcuff est un problème ou est-ce que c'est une solution? Si c'est une solution, eh ben, il va falloir qu'il le trouve très très vite. Si c'est un problème, finalement, peut-être faut-il s'en séparer assez rapidement, trouver un accord, on va dire, entre, je sais que Lyon l'avait payé assez cher, que Lyon les paye 5-6 millions d'euros, récupère, on va dire, un peu d'argent, et puisse investir dans un jeune joueur qui pourra justement, eh bien, leur donner, on va dire, peut-être plus de grandes satisfactions. Parce que là, pour le moment, c'est assez décevant. Allez, maintenant, on va passer maintenant au groupe lyonnais. Vous avez forcément, je l'ai dit, hein, des tonnes de cette fameuse réunion est également qui avait eu lieu du côté lyonnais, permettait également de voir un peu les difficultés du côté lyonnais par rapport au fait que Lyon alignait défaite sur défaite. Mais c'était aussi lié au fait que, forcément, il fallait discuter des blessés. Parce que j'en ai mis trois, mais je pourrais mettre des tonnes, Vercoutre et bien d'autres. Gezal qui s'est blessé au dos et qui sera indisponible pendant 3 mois. Umtiti et Bakayoko qui sont toujours en phase de reprise. Bizevac et Dabo reviennent. Mais il y a énormément de blessés du côté de l'Olympique Lyonnais. Miguel Lopez par exemple, qui est également blessé. Également, vous avez des suspendus. Bedimo et Gonalon. Gonalon qui a été expulsé du côté du match de Montpellier. Maintenant, place à la compo type. Alors, je ne cache pas que j'ai qu'un petit peu eu des difficultés à faire cette compo type. Puisque je vous. Bon, Lopez dans les buts, c'est normal. Vercoutre est toujours en phase de reprise. Il devrait reprendre dans 1 à 2 semaines. Ensuite, une défense à 4. Dabo, Koné, Bizevac et Ferry. C'est quand même terrible de mettre Ferry sur le côté droit parce qu'il a très très peu d'expérience. Et on a vu que, eh bien, face aux assauts, peut-être bordelais, ça va être difficile. Un système à 3, j'ai mis Fofana en milieu de terrain puisque Gonalon est suspendu. Grenier et Wemba qui seront là pour gérer le système offensif. Vous avez Lacazette et Danic. Danic qui fait son retour, qui a été remplaçant la semaine dernière et qui sans doute sera titulaire durant ce match-là. Et enfin, Bafé Gomis qui sera titulaire, bien sûr, dans la pointe de l'attaque. Passons maintenant au Bordelais. Ça va un petit peu mieux après la victoire contre Sochaux 4 buts à 1. Mais la grosse polémique qui a eu lieu notamment, et bien sûr Jean-Louis Triaud a essayé de calmer un peu tout ça. Jean-Louis Triaud, il était là au Canal Football Club, il a parlé un petit peu de Bordeaux, du jeu, il a eu cette un petit peu un petit. Ah, on va dire un petit clash du côté avec Pierre Ménès. D'abord, il a parlé du fait que pour lui, le beau jeu ne prime pas. Lui, il dit, voilà, moi, si je dois gagner un but à zéro et jouer comme de la merde, excusez-moi l'expression, c'est ce qu'il a dit carrément, hein. Jouer comme de la merde, moi, je joue comme de la merde. Parce que comme ça, à la limite, j'ai peut-être gagné un but à zéro, un but à zéro, mais au moins, je vais m'en sortir. Mais il y a eu cette polémique aussi, et cette polémique, elle était du côté de Francis Gillot. Francis Gillot, après le match contre le Maccabi Tel Aviv, que son équipe a perdu, on a vu qu'il avait fait tourner l'effectif, qu'il avait gardé, je crois, 8 joueurs, il avait mis 8 titulaires sur le banc. Enfin, sur le banc ou alors dans les tribunes. Et là, à ce moment-là, il a dit, on ne peut pas la jouer. Il a dit, voilà, on ne peut pas la jouer, on n'a pas une équipe faite pour. Il a dit également que, de toute façon, les supporters n'en ont rien à foutre du fait qu'on joue l'Europa League. De toute façon, l'Europa League, elle sert absolument à rien. Il a dit peut-être que les gens pensent tout bas, mais le problème, c'est que à ce moment-là, Jean-Louis Triaud, on lui a posé la question. Enfin, le Canal Football Hervé Matou a posé cette question en disant, mais attends, comment vous pouvez dire ça, sachant que la SUEFA va encore dégringoler. Et là,
on va dire, il a changé de trio à un petit peu esquiver la question en disant mais non, il a dit ça comme ça, sur le coup de la déception, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, vous avez un petit peu extrapolé. Enfin, on va parler un petit peu de l'indice UEFA, de ce qu'a dit Francis Gillot. On est d'accord sur le principe que c'est vrai que l'Europa League n'est pas une compétition extraordinaire, on est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'à force de dire ces choses-là, on va finir par avoir un club en Ligue des Champions et un club en tour préliminaire de la Ligue des Champions et en plus, allez, 2-3 clubs en Europa League. Et forcément, nous, on dira quoi? Eh bien, à force de ne pas vouloir la jouer, eh bien, finalement, on sera peut-être les perdants de l'histoire. Donc, je pense que Francis Gillot ferait mieux quand même de réfléchir à ce qu'il dit. Parce que si jamais il continue, la France dégringolera. Et s'il veut aller en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Bon, allez, maintenant place, bien évidemment, au groupe bordelais. Vous avez un blessé, Biyogo Poko, et surtout des suspendus. Vous avez Maurice Bellet, Enrique et Pudje qui sont aujourd'hui suspendus. Bon, on va dire que sinon, il a récupéré quasiment tout son groupe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on passe maintenant à la compotif. De toute façon, c'est assez difficile d'avoir le même constat du côté de Lyon. Parce que c'est vrai que du côté de Lyon, il y a plein de blessés, plein de suspendus. Et du côté de Bordeaux, on va dire quand même qu'ils s'en sortent à peu près bien. Bon, maintenant, place donc à la compo type. Alors, j'ai mis compo probable, bien sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que pourraient proposer les entraîneurs. Vous avez donc Carrasco dans les buts, une défense à 4, avec donc Orban, Sané, Planus et Mariano. Planus qui remplacera, bien sûr, Enrique qui est suspendu. Vous avez ensuite Nguemo et Sertic qui se trouvent au niveau du milieu, qui seront là pour récupérer les ballons. Vous avez ensuite un système, alors j'ai mis un système à 4, alors tout, on peut être un système à 5 aussi, on peut mettre, parce que vous avez Obraniak et Xavier, CV qui sont sur les côtés, mais Jussier, après ouais, j'ai mis Jussier derrière, on va dire, Diabaté, mais Jussier peut très bien se trouver, on va dire, un système en 4-4-2, en faisant, on va dire, un attaquant, un système en pivot avec un attaquant qui tournera autour de Diabaté, où ce sera Jussier, qui donnera les ballons pour Diabaté. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai fait. Soit vous avez un système à 4-5-1, un système en 4-4-2, mais là vous avez forcément un 4-4-2 classique avec deux attaquants de pointe, ou alors vous avez un système avec donc un Jussier plus en numéro 10 derrière l'attaquant, et qui, attaquant de pivot, si on peut dire ça comme ça, qui sera là pour prendre le ballon et essayer bien sûr de tourner autour de l'attaquant et de donner les ballons à l'attaquant de pointe, bien sûr, au buteur, pour qu'il puisse bien sûr mettre les ballons au fond. Bon, allez, voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair par rapport à ça. Difficile quand même, difficile de faire des pronostics par rapport à cette équipe. C'est vrai que vous avez pu voir également au niveau de la composition. Même moi, du côté de Bordeaux, j'ai un peu de mal à savoir vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, parce que Jussier, j'ai envie de le mettre en point, mais d'un côté, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? C'est le problème du côté bordelais, du côté lyonnais, il y a beaucoup de doutes. Et forcément, ces doutes sont difficilement extompés. Mais d'un côté, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que Bordeaux vient avec plus de confiance par rapport à cette victoire contre Sochaux. Et l'autre côté, vous avez une équipe qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, qui doit arrêter cette hémorragie, qui ne sait pas vraiment sur qui se compter, bien sûr, parce que c'est assez difficile. Les leaders ne seront même pas là. Godalon est blessé, on va voir justement, enfin suspendu, je veux dire. C'est assez dur malheureusement pour nous. Et d'ailleurs, place au pronostic, qui je vois remporter ce match, ou alors faire match nul, c'est pas facile. Et je pense que ce match-là, il y aura il y aura peut-être une victoire de Bordeaux. Il y aura une victoire de Bordeaux parce que je pense que Lyon va essayer de casser cette dynamique. Et malheureusement, j'ai quand même la déception de dire que ils vont peut-être se casser les dents devant les Bordelais. Les Bordelais vont procéder en contre, vont créer une ou deux occasions, vont marquer des buts. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est à mon avis ce qui va se passer encore cette année. Bon voilà, on va s'arrêter là. Je vous rappelle qu'il y aura bien sûr les notes de ce match. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Est-ce que les joueurs qui ont été présents ont été au niveau ou non? Comme d'habitude, il y aura bien sûr, comme pour Paris Saint-Germain-Bastia, la notation de chaque joueur par rapport à ça. N'hésitez pas bien sûr à me dire, pour Paris Saint-Germain-Bastia, ce que vous avez pensé de la prestation des différents acteurs, des 23 acteurs justement de cette équipe. Je ne noterai jamais l'arbitre, parce que j'estime que l'arbitre n'a pas à être noté, il fait des erreurs comme tout le monde. On pourra en parler si vraiment il y a des grosses polémiques, mais on notera jamais un arbitre, parce que l'arbitre, je considère qu'il ne fait pas partie d'un effectif, il fait partie simplement d'un constat, c'est que des fois il fait des erreurs, et bien sûr une erreur parfois peut pas cacher non plus la prestation, s'il a été bonne, si tant est qu'elle est bonne, de cette personne. Bon allez, on va s'arrêter là. Allez, bon, je vous souhaite bien sûr un très bon fin de week-end, bon match à tous, et bien sûr, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.